Bonsoir, mesdames, messieurs. Mon nom est Prodeo, Francis Levin Croteau, alias Prodeo. Vous êtes présentement sur la chaîne des Lynx du Cégep Édouard Montpetit. Du côté du sport électronique, il me fait plaisir de vous accompagner ce soir pour du Rocket League avec notre très cher co-casteur qui va remplacer pour l'instant Aratrox, qui est présentement dans le bus en train de s'en venir pour la diffusion. Vous le connaissez, il est diffuseur lundi-mardi du côté de League of Legends, Overwatch. Voici Albérich. Et bonsoir à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Comment ça va Francis? Content d'être de retour pour ta deuxième diffusion de Rocket League. Effectivement, c'est un plaisir pour moi de caster avec toi pour cette intro. On avait dit qu'il fallait qu'on le fasse et on le fait, du moins peut-être pour la première partie seulement, mais c'est déjà bien. Écoute, ça reste quand même un petit moment qu'on va pouvoir passer ensemble sur du Rocket League, un jeu que j'affectionne en termes de visuel en tant que spectateur. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais écoute, ça reste qu'un beau but, qu'on soit adepte ou pas du jeu, ça reste un beau but. Effectivement, première rencontre de ce soir, eh bien, ça va être laquelle? On va Contre les conquérants à Limoilou! Désolé, non, c'est moi qui m'excuse. Les conquérants de Limoilou qui vont affronter les Lynx numéro 4, donc Limoilou 1 contre les Lynx 4 en début de partie, et plus tard, on verra contre Saint-Hyacinthe. Donc, je crois qu'on est bientôt prêt à lancer... Je pense qu'on a eu un petit problème avec ta caméra, Albérich. Est-ce que tu es de retour? Oh, mais je suis tout à fait là, excusez-moi. Il y a bien une petite chose qui ne change pas pour le moment, c'est que nous ne sommes pas jeudi. Et comme vous le savez tous, comme je vous l'ai dit hier et avant-hier, c'est jeudi que je passe à une connexion bien meilleure. Et j'étais justement, au moment où je me suis rendu compte de ce petit bug, en train d'enlever une certaine quantité d'outils qui étaient connectés à la Wi-Fi à mon domicile. Ça devrait désormais être correct. Effectivement, je vois dans le chat, entre autres, il y a lundi, il y a Alpha, il y a El Coco, Lord, Potato Sensei, Torin, Gros Cochon, Croix, qui m'a donné des conseils pour le casting. Merci. Merci d'être là, gang. Et je pense qu'on va bientôt se lancer. Je vais lancer le go aux joueurs. Toi, t'étais prêt? Petit problème, oui, c'est ça. Je pense pas que tu vois le jeu en ce moment à cause d'un petit problème de remplacement soudain. Mais je vais m'occuper peut-être. Je vois le martyr, je vois Crazy Dejova et je vois un match qui commence. Effectivement, donc les Lynx eSports 4 contre Limoilou numéro 1. Déjà 10 secondes de fait et déjà Falcon contre le. Il compte le premier but de ce match. Mon dieu, c'était expéditif de la part des conquérants. Quelle performance! Début de match, 10 secondes de match et un but. Effectivement. Les conquérants sont là pour conquérir ce soir. Oui, Limoilou qui se présente en avant-plan dès le début du match. Mise au jeu, ça s'en va maintenant du côté de la zone défensive de Limoilou. Une bonne pression du côté des Lynx malgré un dégagement réussi de ceux-ci. Ninja Boy qui va tenter de prendre la balle, mais non, il sera trop lent, ce sera Solar qui interviendra. Une petite confrontation en ping-pong dans le coin de terrain. Ça reste toujours sur place avec 4 minutes 20 à faire. Oui, Albérich? J'ai dit alors peut-être, j'ai vu une action qui était partie, j'ai vu un but dégagé, j'ai cru que ça allait scorer. Eh non, c'était tout près. En fait, c'est beaucoup de ping-pong qui se passe en ce moment. Et là, on a un pinch, un pincement directement du sol vers le haut. Et on tente de compléter avec un tir de la part des Lynx. Et encore un autre, tout juste, tout près de la barre. Hein, la pression est palpable. Hein. Oui, effectivement. Et là, on s'en va. Oh mon Dieu! Quel rythme! On a beaucoup de tirs dans les dernières secondes du côté des Lynx. J'aime la pression. Est-ce que tu aimes la pression des Lynx en ce moment? Écoute, ils répondent. C'est ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. Après un but très tôt dans le match, on voit des Lynx qui sont très présents dans la zone de jeu adverse. Effectivement. Et là, un tir raté. J'ai cru qu'il était dedans de la part de Lamar. Et on tente de défendre. Je crois qu'on est, on a des positionnements quand même assez bien du côté des Lynx en ce moment. Malgré un but en début de partie, le tir, l'arrêt de Falcon en haut. Belle performance du joueur des conquérants.
Effectivement, un beau jeu des deux équipes depuis la dernière minute. Et ça continue avec Ninja Boy qui tente de renvoyer. Solar intervient. Le mort tente de contrôler dans les airs. Et ça arrivera vers Crazy qui fera un dégagement l'autre côté. Zone défensive de Limoilou. Les conquérants, équipe numéro 1. Un pinch, un pincement qui s'en va directement, mais directement assez vite. Effectivement, du côté des lignes. Et ça revient en milieu de terrain. Le mort dans les airs. Une touche. Ce serait Ninja qui va intervenir. Falcon avec une intervention de sa part. Solar. Oh, Crazy. Un peu de ping-pong peut-être. On tente de faire une passe. La passe est faite. Et Falcon finalement qui renvoie ça vers l'arrière. Oui, ça peut être une stratégie toujours. Renvoyer vers l'arrière, c'est pas toujours... Un bon repositionnement de balle, hein, comme on peut le voir. Oui, effectivement. Est-ce que ça va aller dans les cages? Un... Et c'est le but! 2-0. Quel but de Solar. C'était bien construit du côté des conquérants. Hein. Alors qu'on voit que c'est un but qui s'est fait en plusieurs temps. C'est pas un tir direct. On voit le ballon qui a été repositionné sur le sol, puis touché, dernier moment dirigé vers le but. Ils étaient deux, Falcon et Solar. Quel but de la part de Limoilou. Du côté des Lynx, malgré une bonne pression, on n'a pas réussi encore à concrétiser sur quelque chose de palpable. Il nous faut un but rapidement pour les Lynx si on ne veut pas perdre le fil de ce premier match. Avec un but à 35 km à l'heure seulement, faut le faire quand même. C'est pas vite, me semble, en voiture, 35 km heure, hein, mon très cher. Prodéo, me semble que j'ai pas vu souvent des limitations en bas de 35 km heure. Hein. Ça dépend où qu'on habite dans le monde, mais je t'avouerais que c'est... C'est pas très rapide, on se bombe un peu, pas mal tout le monde est dans le même endroit, dans la zone des Lynx. Et finalement, on va tenter de faire quelque chose, une passe des Lynx vers les Lynx. On tente de faire un beau jeu. Le jeu s'intensifie, hein. Le jeu s'intensifie du côté du terrain de jeu des Lynx. On voit que les conquérants ont vraiment un plan de jeu très, très dominant, très présent dans la partie de jeu adverse. Ninja Boy envoie ça, au Solar qui rate sa touche. Ça va rester en milieu de terrain. Crazy qui fait le tir. Est-ce que ce sera arrêté? En fait, c'est même pas à l'intérieur. Falcon n'avait rien à faire. Il a laissé la balle passer. Aucun souci. Une minute à cette partie. Une première de ce BO5. Premier match de la soirée. Des Lynx. On aurait pu marquer là-dessus. Falcon était vraiment out of position. Alors que... Un beau dégagement ici de Ninja Boy qui aurait pu être à l'intérieur, mais le Solar était là. Pour arrêter le tir, justement, Solar tente un dégagement réussi, aidé par Falcon, qui amène la balle encore plus loin, le tir de la mort, directement au fond des cages, et c'est le but! Et c'est un troisième but pour une équipe des conquérants qui a, je pense, Prodéo, moins d'opportunités, finalement, que les Lynx, mais je dirais que c'est presque 100% de transformation. À chaque fois qu'ils ont tiré, ils ont scoré à date. Quelle précision de la part des conquérants de Limoilou. On perd pas espoir, il reste 35 secondes. Je sais pas si vous avez déjà vu dans la scène professionnelle de Rocket League. Oh oui. Go, Lynx, go, il nous reste 35 secondes pour prendre. Tout est possible, par contre, là, une belle attaque du côté de Limoilou. Encore une fois, on va peut-être devoir se reprendre à l'autre partie du côté des Lynx. Et non. Mais non, on a le temps. Et c'est le but! Les Lynx marquent leur premier but de la soirée. Et c'est très important ce but Prodéo parce qu'effectivement ça nous fera pas gagner la partie. Mais c'est important d'arriver dans un deuxième match lorsqu'on vient de perdre le premier. Avec l'avantage psychologique d'avoir mis le dernier but, d'avoir répondu présent et d'avoir quand même mis un but tout à fait convaincant. Mise au jeu qui va être en ligne centrale. Ça va être finalement remporté par les Lynx. Une passe au centre, personne n'était présent. On ne peut pas mettre la pression si seulement une personne est devant pour faire une passe à personne. Évidemment. Alors, belle récupération de la part des Lynx. Hein. Je vois là qu'on est sur un plan de jeu qui est plus offensif du côté des Lynx. Oui, effectivement. Ça ne suffira pas malheureusement pour. Et les Moilous qui gagnent cette partie. Alors qu'on voit le martyr qui est en train de faire des petits backflips. un chanteur old school qui aimait beaucoup les voitures qui faisaient des pop 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 serait ravi de voir ça. Mais quelle partie des conquérants, mon très cher Prodéo. Oui, on voit le pointage présentement au tableau. On voit Falcon qui est le MVP du match avec un but, une passe décisive, un arrêt et deux tirs. Et quand même, on peut quand même dire que Be Slower a quand même très bien joué du côté des Lynx. C'est lui qui est le MVP du côté des Lynx malgré une défaite.
un but, deux arrêts, deux tirs, qui est quand même très bon. Par contre, faudra peut-être travailler un peu la chimie, travailler un peu l'attaque. Dans la première minute de jeu, j'ai vu une bonne attaque du côté des Lynx. Peut-être pas en début, mais à peu près vers les trentaines de secondes que la partie a débuté. Et finalement, ben... Toujours un petit peu décevant quand on voit en plus le score. On voit, comme tu viens de le dire, que Bislower a été plutôt omniprésent dans ce match. Ça n'a pas suffi, malheureusement. Comme on l'a dit, les Lynx, je pense, ont eu plus d'opportunités de but qui n'ont pas su concrétiser. Alors, manque de chance, manque de réussite, peut-être un peu aussi petite différence technique. Peut-être que le premier match était un peu plus difficile pour rentrer dedans. En tout cas, on sait que c'est un best of five. Rien n'est joué, on compte sur nos Lynx pour répondre rapidement et on est parti tout de suite pour la deuxième game avec nos Lynx eSports du côté bleu. Avec 15 secondes déjà de fait, toujours l'égalité, on va devoir garder une bonne pression du côté des Lynx parce qu'on sait que les Limoilou, eux, en ont une bonne. On est dans la zone défensive de Limoilou, justement, tentons de garder la pression du côté des Lynx. Peut-être. Ninja Boy avec un tir tout juste à droite sur le poteau. Crazy qui renvoie une belle balle au centre pour Bislower qui était toutefois dans les airs un peu trop en retard. Ninja Boy, une belle passe à Crazy. Crazy. C'est bien ce qu'on voit. Hein. C'est bien ce qu'on voit de la part des Lynx. On voit qu'ils sont offensifs. On voit que la première game n'a pas touché leur mental. Hein. Ils sont toujours très présents. Effectivement, Bislower tente de... a fait une passe à l'adversaire par... une mauvaise balle, mais c'est pas grave, on va continuer avec le mort qui renvoie ça au centre. Ninja Boy. On va tenter de reprendre l'avantage avec les Lynx. Un tir de Ninja. Faudra garder la pression, Crazy qui intervient. Oh. Bislower qui était dernier, qui était comme on dit le last, a bien fait son travail en milieu de terrain et tente justement de ramener ça de l'autre côté avec un pinch, un pincement bien réussi de la part des Lynx. Le mort qui va... On accélère, du côté des Lynx, on accélère. On accélère, puis... Alors, peut-être... C'est peut-être ça la clé de cette partie. C'est peut-être la vitesse qui fera la différence avec une on belle voit, vitesse. On le voit, du côté de Limoilou. Hein. Limoilou, une équipe vraiment très organisée, peut-être plus que nos Lynx. Nos Lynx, peut-être, peuvent jouer sur l'explosivité, apporter un espèce de chaos un peu sur le terrain pour déstabiliser les adversaires. Bon. On voit que les Lynx ont peut-être augmenté un peu la vitesse, mais il manque toutefois de construction. On en a vu quand même quelques constructions de jeux, de très beaux jeux. En début de partie, il faudra toujours que compléter tout ça. Solar avec finalement un tir sur le backboard qui sera finalement arrêté par les Lynx. Ça revient directement devant les Lynx, mais là on a personne du côté de Limoilou pour tirer. Solar va intervenir, mais ce sera probablement dégagé du côté de Bislower, c'est fait. La balle va rester du côté de Limoilou. Avec une intervention de Bislower, Crazy, Ninja Boy qui, on peut le voir en milieu de terrain, qui fait bien son travail de dernier joueur avec une belle passe. Un peu loin par contre, c'est tout près pour Bislower. On tente de cote. Oh. De cut pour garder la pression du côté Bislower. J'ai bien aimé son cut, étant donné que ça fait garder la pression. Très bon choix, d'après moi. Et on est encore du côté de la zone défensive de Limoilou. Et pendant que j'en parle, on traverse l'autre côté. Solar. Pour un novice comme moi, effectivement, qui a pas mal moins d'expérience sur Rocket League, c'est quand même très, très, très visuel comme jeu. Oui, j'apprécie vraiment de voir ça. C'est très explosif. Sans aucun mauvais jeu de mots sur le fait que c'est des voitures, mais c'est vraiment un jeu qui est très agréable à regarder. Quel plaisir d'être là ce soir, encore une fois. C'est comme une partie de ping-pong 3D, avec des voitures, une balle. Je dirais que j'aime pas mal plus ça que le ping-pong, mais c'est très subjectif. Hein. Après, c'est un très beau sport, le ping-pong. Je peux faire de table, comme on appelle ça. Je peux faire quand même la petite pub. Ce jeu, appelé Rocket League, est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur l'Epic Store. Oui, un jeu gratuit. Il était payant auparavant, mais maintenant, plus accessible à plusieurs joueurs. Qui était présentement disponible sur Epic Games, mais qui était sur Steam. Et le but! Le but! Limoilou qui gagne l'avance après 1 minute 10 à faire. Oh,
c'est décevant. J'ai l'impression qu'ils étaient deux sur la défense du côté de nos Lynx. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit problème peut-être de communication? Oui. Au moins, parce que c'est Bislower qui relève un petit peu le ballon au dernier moment et qui empêche Davola de défendre. Petit problème peut-être de communication du côté des Lynx. C'est pas grave, il reste une minute pour mettre un but et égaliser. Un seul but d'écart. Et là, Falcon fait le tir, mais bel arrêt de Crazy. Va-t-il réussir à contrôler, à faire le 50? C'est Solar qui va finalement remporter ça. Ninja bien placé pour l'arrêt. Et le mort qui rate son coup. Est-ce que Ninja va en profiter? C'est plutôt Falcon qui en profite pour renvoyer ça du côté des Lynx. Et on trouve l'opportunité de renvoyer ça de l'autre côté. Une quarantaine de secondes à faire! Et l'égalité, c'est le but! Quel but de Bislower! Quelle anticipation du joueur des Lynx! C'était très très beau, très visuel, une belle anticipation. Il était dans les airs avant même que la passe ne s'engage. Et il a concrétisé. Quel plaisir de voir un beau but des Lynx à quelques secondes de la fin de cette manche. Bravo à nos Lynx. 37 secondes pour peut-être une égalisation à partout des Lynx. On a déjà l'égalisation sur cette game, mais si on pourrait se permettre une égalisation du côté du best of five, sinon, les Lynx perdent ce match, eh bien, ils vont devoir, comme on dit, faire le renverser, reverse sweep l'équipe de Limoilou, et ça, je pense, ça va mettre un peu de pression. Si on peut égaliser ça avec 1-1. On reste optimiste, ils sont capables. On garde ça safe. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon très cher Francis, quand il y a un partout? C'est un but en or, c'est ça, si je ne m'abuse? En fait, c'est ça, en prolongation, la balle a touché le sol à 0 seconde. Donc, overtime, le but qui sera fait sera le but victorieux pour cette deuxième partie de cette série de 19h. Et ils ont besoin de vous, messieurs, dames, dans le chat. C'est parti pour les Go Lynx Go qu'on envoie si souvent. Alors qu'on voit les Lynx sont très à l'offensive, on a failli avoir un but rapidement. Et la balle, c'est parti, on a besoin de vous. Est bien placé. Ninja qui rate son coup. On va tenter de garder la pression. Solar intervient. Un pacemate. Non. Trop haut du côté de Crazy. Ça aurait été une belle opportunité. Oh. On va tenter de construire peut-être au lieu de simplement tirer. Peut-être des jeux aériens. Arrêter le ping-pong un peu avec le backboard. Peut-être calmer un peu le jeu. D'utiliser ses coéquipiers au lieu du backboard pour faire des meilleurs jeux. Et la passe! Je pense à un pincement ici qu'on a pu voir. Ça aurait pu être dangereux pour Limoilou, mais on tient bon. On est dans le coin. Falcon va tenter de faire quelque chose en aérienne, plutôt avec un pincement au sol. Est-ce qu'il va être seul? Les Lynx vont tenter de défendre le tout. Ils ont eu le temps. Et c'est réussi pour la défense. Ça revient vers le milieu de terrain. Et immédiatement, Limoilou improvise une attaque quand même assez sérieuse. On ne bouge plus vraiment en défense du côté des Lynx. On va devoir trouver le dégagement assez rapidement. C'est fait! Ninja Bang! Une contre-attaque! On va tenter de faire quelque chose, peut-être même de faire un solo play du côté de Lemar. C'est finalement Solar qui va reprendre. Et les Lynx qui sont quand même bien placés, je crois. Crazy qui est bien patient à l'avant de son but. Et ça va peut-être porter fruit pour une défensive. Est-ce que Crazy... Oh là là! Si c'était cadré, Crazy allait chercher le boost, c'est ça. Crazy a été chercher le boost. Et il a été chanceux que le tir ne soit pas cadré. Finalement, on a eu une deuxième chance de tir du côté de Falcon. Et oui, Falcon 2-1, Limoilou l'emporte. Le Falcon hein, qui porte bien son pseudo, un faucon, un vautour, était prêt à surgir de derrière n'importe quel rocher, de derrière toute opportunité qu'on lui faisait allait se concrétiser par un but. Il attendait que ça. Je tiens juste à t'informer, Prodo, je ne sais pas si tu as l'occasion de t'en rendre compte, mais notre très cher Aratrox va être disponible probablement pour la prochaine partie. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'il rentre désormais ou attendre la fin de ce best of five. C'est toi qui décides, très cher. Ben, je pense qu'on va attendre un peu parce que le problème avec Rocket League, c'est qu'après 60 secondes, on est obligé de lancer la partie. Donc, sans aucun problème, très cher Francis. Ne te mets pas de pression de ce côté-là. C'est un plaisir d'être avec toi ce soir. Moi aussi, c'est un plaisir. On s'est vu, on fait chacun les diffusions. Moi, c'est le mercredi, toi, c'est lundi, mardi. Et justement, on va en profiter pour parler de ta prochaine diffusion qui sera lundi prochain à 19h du côté de League of Legends.
Exactement, on se retrouvera lundi pour une soirée League of Legends. Je serai accompagné de notre très cher Kosek. On aura l'occasion de vous partager notre passion de League of Legends et plutôt même notre passion des Lynx. On espère vous voir nombreux. Je vois qu'on est 27 ce soir, c'est quand même très très cool. On compte sur vous dans le chat, les Go Lynx Go, les petites émotes de Lynx. Ils ont besoin de vous, nos Lynx, qui sont déjà en grande difficulté. Une balle de match déjà qui est offerte du côté de Limoilou et des Conquérants. On n'a plus le droit à l'erreur, si on en parlait tout à l'heure. C'est le River Sweep ou la défaite ce soir. On a besoin de vous, on compte sur vous dans le chat. On vous voit, on vous lit, les joueurs sentent votre force. Et vous êtes la clé ce soir. Je sais pas si tu suis le partage d'écran, mais de mon côté, je confirme qu'on va remake la game. On va refaire la partie. Donc, on va refaire la partie qui vient d'avoir lieu. Ben, en fait, les joueurs ont quitté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Chacun a décidé de respawn, de se faire réapparaître, et finalement on a décidé de refaire la partie. On va attendre pour rejoindre. Donc, on peut parler pendant un peu de temps. Si j'ai bien compris, on reste à 1-0, donc si ça se finit comme ça, on reste à 1-0 du côté des Conquérants et on remakerait la... C'était pour la partie qui allait commencer. C'est 2-0 pour le BO5. Il faut absolument un renversé du côté des Lynx, sinon ce sera les Conquérants qui vont blanchir les Lynx s'ils remportent directement la partie, mais toujours possibilité de gagner au moins une partie ou deux du côté des Lynx. Il faut en gagner 3 consécutives pour cette série, du moins. Je suis en train de regarder de mon côté pour rejoindre la partie à nouveau. Je crois que le lobby est OK. Parfait, on va peut-être partir sur notre troisième et première balle de match. Alors, du côté de Limoilou, espérant que nos Lynx trouvent des opportunités de reprendre l'ascendant, de gagner une, peut-être deux et peut-être même 3 games afin de s'imposer dans cette première rencontre donc de la 4e équipe des Lynx contre Limoilou. On rappelle le deuxième match de ce soir qui opposera les Lynx, 3e équipe du nom. On a la chance, nous, dans les Lynx, d'avoir 4 belles équipes de Rocket League. Ben hâte qu'on en ait autant dans Overwatch et League of Legends. Ça viendra peut-être un jour. Qui affrontera donc Saint-Hyacinthe. Donc ce sera notre deuxième match de la soirée. 2 matchs ce soir, quel plaisir. Ça nous fait du Lynx à ne plus savoir quoi en faire. Et on aime ça ici, avoir du Lynx en quantité industrielle. Écoutez, moi j'ai pas beaucoup de choses à vous raconter sur Rocket League, si ce n'est voilà, pour moi une voiture bleue a un avantage sur une voiture rouge, pour la simple et bonne raison que j'aime beaucoup le bleu. Habillé en bleu, j'adore le bleu. Mes connaissances techniques s'arrêtent un petit peu là, je vous le dirai bien sincèrement. Et du coup, la game qui va débuter pour la 3e partie de ce Best of 5. Et là, petit problème de pointage en haut, je m'en excuse. On va juste corriger ça. J'aimerais ça. Écoute, tout est permis pour donner un espoir aux Lynx du CGP Don mon petit. Mais il va falloir quand même le faire. Ils sont capables, ça va pas être simple. On a déjà parlé, il faut que la partie soit... vite engagé, que la pression soit rapidement installée, puis surtout qu'on arrive à mettre un but tôt. C'est ça qui nous fait défaut depuis le début. Dans les deux parties, on a eu l'avantage en early game, malheureusement on n'a pas réussi à concrétiser. Si on n'arrive pas à avoir un avantage en early game contre une équipe comme celle des Conquérants, qui est quand même très structurée, très organisée, et on se retrouve dans une situation où si eux mènent le jeu, c'est ce qui s'est passé dans les deux premières parties, on est dans une situation obligatoire de réponse, et je pense que nos Lynx sont pas nécessairement les plus à l'aise dans ces circonstances-là. Alors qu'on voit effectivement que le ping-pong, comme tu aimes l'appeler, a bel et bien lieu pour le moment. Et du coup, on va tenter peut-être une attaque, c'est le temps. Les Lynx, on tente de faire une passe via le backboard et on ne peut contrôler. Ce sera finalement Lord qui va finalement faire une simple touche. On va tenter de compléter avec une deuxième touche et le double commit, qui se fait, et on peut quand même compléter. Comment est-ce possible? On était peut-être un peu chanceux. Où était la défense du côté des Conquérants là-dessus? J'ai hâte de voir ce qui s'est passé. Je te dirais, très cher Prodeo, que rendu là, chance pas chance, technique pas technique, du moment que ça rentre et que c'est pour les Lynx, on va le prendre. Ouais, donc ce que j'ai vu, c'est vraiment un double commit du côté des Lynx. Et en fait, ça l'a peut-être floué les Conquérants qui n'ont pas pu faire l'arrêt. Et pour la première fois de cette soirée, les Lynx prenez devant. Men. Oui, et c'est ça qu'on voulait voir, Prodeo. On voulait voir ce que nos Lynx étaient capables de donner dans une situation où ils avaient cet avantage en early game. Qu'est-ce que ça va donner l'avenir des 3 minutes 30 qui suivent? Ce message nous le dira.
Mais Slower tente de faire quelque chose avec le bag. Oh là là! Un double commit encore. Mais là, est-ce que ça sera punitif? On tente de dégager. C'est quand même réussi du côté des Lynx. Mais là, oui, on a fait un but, bien sûr, avec un petit double commit. Mais c'est pas comme ça qu'on fait des buts dans Rocket League. On devrait le faire un peu avec style et y aller avec un jeu de passe. C'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on espère voir. Mais... Alors que la lucarne hein, a failli être scorée hein, par les Limoilou et les Conquérants. Allez les Lynx, on se ressaisit, on est un petit peu dominé dans notre terrain de jeu, c'est pas grave, vous menez messieurs, oh, pas lower. De pression. Un beau dégagement de sa part et il réussit à toucher trois fois la balle pour finalement l'envoyer. Oh non non, la défense est là. Oh! Et on rate le... Écoute, c'est une cage béante du côté des Lynx et on rate le tir du côté des Conquérants. Faudra se souvenir de ce tir manqué si on ne perd qu'à par un seul but du côté des Conquérants. Et là... il faudra se souvenir de ce but manqué pour tous les fans des Lynx comme nous qui auront la chance. Oh, alors que Solar, hein, effectivement. Avec une passe de Lemar. Égalisé. Un très très beau but et voilà, on égalise 1 à 1. 2 minutes 15, 2 minutes 16 plutôt. Et là, on arrête les doubles commits du côté des Lynx. Et on fait une belle pression, un tir tout près d'être dedans, mais Deathlower est présent. La passe, le tir et le but! Et quel but de Beastlower, c'était rapide, efficace. On voit qu'ils ont failli marquer sur la première attaque qui a eu lieu par Gravola. quelle performance, et on a un autre joueur dans League of Legends qui s'appelle Granola, je m'excuse. Quel but de Beastlower sur une passe décisive du coup de Gravola, bravo. De garder l'avance, oui, de garder l'avance pour les Lynx est ce qu'il faut en ce moment pour peut-être faire peur. Je sais pas si les Conquérants, les Moilou 1, quand ils sont stressés, ben en fait, quand ils perdent, ou que c'est serré, s'ils sont stressés, s'ils peuvent être affectés avec le côté mental. Du coup, c'est pas juste du Rocket League, c'est pas juste des jeux de pouce. Mais c'est aussi du mental. Un arrêt ici, on y a été à deux par contre. Avec une attaque un peu plus agressive du côté des Conquérants, on aurait sûrement pu marquer là-dessus, mais on a été un peu plus safe. On c'est sent correct. Du côté des Conquérants hein, qu'on veut vraiment clore ce match rapidement. Hein. Peut-être qu'on a peur du réveil du Lynx. Hein. Le Lynx, c'est un animal qui, lorsque le réveil est prononcé... On a eu un joueur qui a fait une aérienne... S'envoler par-dessus la balle et pouf, il est parti! Lemar se fait intercepter par Beastlower et Solar réussit à renvoyer ça de l'autre côté. Falcon est là. Ça va rester dans la zone des Lynx pour combien de temps? Pas longtemps. Crazy renvoie ça de l'autre côté avec un beau dégagement. Large. Une minute pour les Lynx, une minute. Oui, une minute pour tenir. On a fait assez de buts. Faut juste pas se faire! Je vais pas le dire. Et c'est le but du côté des Conquérants! On le voyait, hein, ça faisait une bonne minute 30 que les Conquérants avaient un rythme de jeu qui était affolant. Hein. On voyait qu'ils étaient vraiment tout le temps dans l'offensive. C'était un but qui nous fait mal, fans des Lynx, mais qui est mérité quand même au niveau du plan de jeu et de la réalisation du côté de Limoilou. Alors qu'un 50 secondes reste à jouer pour un but peut-être d'un côté ou de l'autre. Et le but qui était si près du côté de Beastlower, mais la défense était là du côté de Limoilou. Solar va tenter de faire une belle passe bien cadrée sur le Falcon. Et là, ça va revenir au centre pour Lemar, qui ne peut mettre dans les cages cette balle. Ce sera finalement repris par les Lynx. C'est un beau dégagement. Et on fend en l'air du côté des Lynx. Il faudra faire attention à la défense. Il est seul, Lord. Il n'a pas raté. Il a fait un bon dégagement. Ça va. On va peut-être tenter la prolongation. Peut-être même y aller avec un but directement du côté des Lynx. 7 secondes à faire, 6. 5, Beastlower, ça va au centre et un dégagement. Et si la balle touche au sol, c'est fait. Deuxième prolongation de cette soirée. Toujours 2 à 0 pour le best of 5, le meilleur de 5 du côté de Limoilou. Alors que Limoilou sont à un but, petit but dans cette prolongation de gagner ce match. Et c'est vous, les Lynx. Non! Pour les Lynx! Encore? Est-ce qu'on a tenté de faire un arrêt? Ah, on va dire que... Oh non, c'était un triple commit. C'était...
Ah, oh, c'est difficile c'était... pour les Lynx. Ils ont manqué de... Je pense qu'effectivement, ce soir, on a manqué de communication du côté des Lynx. C'est dommage, c'est dommage. Ils ont bien joué, nos Lynx. Ils étaient très explosifs dans le jeu. Mais effectivement, 3 sur une défense, c'est au moins 2 de trop, messieurs. Ce n'est pas grave. Vous avez tout donné, vous repartirez sans regret. Nous avons été ravis d'être avec vous ce soir. Notre équipe des Lynx 4, on vous retrouve pour de nouvelles aventures bientôt. Félicitations à vous quand même. Yes, on voit quand même quelques replays, quelques reprises vidéo de ce match. Dernier but, s'il te plaît, Prodeo, pas le dernier but. Écoute, ce qui est fait est fait. On ne peut rien changer pour ce qui est du passé. Par contre, après la pause, on aura déjà notre très cher Aratrox Olivier Roy qui sera des nôtres avec moi, Francis Levin Croteau à Rabas Prodeo, pour la suite des choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on aura une confrontation des Lynx contre Saint-Hyacinthe. C'est déjà l'heure pour moi, Prodeo, de vous abandonner, de vous laisser pendant cette soirée. Ça a été un plaisir de vous voir, fan de Rocket League. Peut-être que si je n'avais pas été là, je n'aurais pas pu vous dire ce que je vais vous dire maintenant, qui est j'aimerais bien tous avoir la chance de vous revoir lundi et mardi, en plus du mercredi, pour voir des belles games de nos Lynx sur League of Legends et Overwatch. De mon côté, effectivement, moi, c'était vraiment là pour dépanner. Puis, encore une fois, ravi de vous avoir rencontré, très chers fans des Lynx et de Rocket League. Je vous souhaite une belle soirée de Rocket League avec nos Lynx, une belle soirée de Rocket League avec Aratrox et Prodeo, convaincus qu'ils vont tout donner pour vous donner le meilleur show de la semaine. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour du League of Legends. Merci Prodeo de m'avoir invité ce soir. C'est plaisir. Bonne soirée, bon courage. Merci, et on se laisse avec cette victoire 3-0 Limoilou contre les Lynx, et on se revoit après la pause. On verra le match comme d'habitude du côté du mercredi. Rocket League est supposé commencer vers les alentours de 20h15, et assez souvent les coachs réussissent à faire devancer le match. Petite pause, on revient avec la série contre Saint-Hyacinthe. Ça va être beau à voir. Restez là, on a hâte de voir ça. À tout de suite.
Thank you.
it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Thank you.
Alors, bonjour à tous, mon nom est Francis Levin Croteau, alias Prodeo, et on est de retour sur la chaîne pour vous présenter un match des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit. C'est du e-sport. Le e-sport, c'est quoi? C'est du jeu électronique. Me fait plaisir de commenter ce soir cette deuxième partie qui sera les Lynx contre Saint-Hyacinthe. Et on retrouve mon collègue Olivier Roy, alias Aratrox, qui se joint à moi. Bonsoir. Comment ça va, Francis? Oh mon Dieu, ça va bien, ça va bien! Et toi? Écoute, ça va super bien. Comme tu l'as mentionné en première partie, je n'ai pas pu être présent. Malheureusement, vive les autobus, c'est tout ce que j'ai envie de dire en temps hivernal. Des fois, on peut rien faire. Un autobus, écoute, il faut le prendre et quand il arrivera... Exactement, on n'a pas le choix. On a eu quand même un très bon remplaçant du côté du casting, qui était Albéric, que vous connaissez. Oui, Albéric, qui s'en est sorti très bien, selon moi, là, pour une première expérience dans Rocket League. C'était relativement bien fait. Et là, on va avoir un match contre Saint-Hyacinthe. Peux-tu nous parler un peu de ce match? Oui, une grosse équipe Saint-Hyacinthe qui est à la deuxième place, mais en fait, à égalité première place. La seule différence qu'ils ont en ce moment avec... les filons de Thetford, c'est le différentiel. On est tous deux à 8 victoires en 9 matchs. Saint-Hyacinthe qui ont croisé le fer avec Montpetit 4 un peu plus tôt dans la saison. Ça s'était terminé 3-0. On a croisé le fer contre Montpetit 3 par contre et ça s'était fini 3-2 tout de même en faveur de Saint-Hyacinthe. Donc un gros match en prévision. Je serais pas surpris de voir le match aller en 5 encore une fois. Souvent des équipes qui se jouent en 5 vont y retourner maintes et maintes fois durant la saison. C'est le genre de bataille qui, malgré l'apparence un peu dominante au classement en ce moment de Saint-Hyacinthe, là, on parle de 2e contre 5e sur 6 au classement. J'ai pas de misère à voir les Lynx sortir vainqueurs dans plusieurs matchs de la série. Et on va tout de suite nommer l'équipe, les joueurs qui vont faire partie des Lynx pour cette rencontre, Shoyo, White et Grubby. Ouais, les trois joueurs qui commencent à se connaître. Face à nous, on a
une grosse formation, là, je l'avais pas mentionné, mais on a Dubs et on a Elkun et Ruka qui sont deux machines qu'on a eu la chance de caster sur Rocket League Québec à quelques reprises. C'est deux très bons joueurs qui se connaissent très bien l'un l'autre. Si je ne me trompe pas, ils ont participé au tournoi de la Saint-Valentin ensemble, que j'avais eu la chance de caster avec Sulbo à ce moment-là. Mais oui, un très bon duo qui est complété par un joueur que je connais un peu moins, Dubs, qui pourra les assister, c'est sûr. Je suis en train de regarder avec le chat parce qu'il y a peut-être un petit souci pour le début de la partie. Ah, je sais pas. Ils disent... en fait, on a un petit souci du côté des joueurs pour ce qu'ils mettent leur cross-platform, qu'ils disent. De toute façon, on va continuer à discuter pendant ce temps-là. T'as eu la chance quand même de voir un peu ce qui s'est passé lors de cette première partie, cette première série, les Lynx contre les Conquérants. Et bien sûr, la semaine passée, on était de retour du côté de Rocket League après quelques mois d'absence qui était finalement diffusé par Max Beaulieu dernièrement. Et là, en entrée de jeu, la semaine passée comme cette semaine, c'était la défaite des Lynx contre les Conquérants de Limoilou. Limoilou qui l'emporte deux fois sur deux. Une bonne moyenne jusqu'à maintenant. Ouais, quand même, là. On l'a vu contre l'équipe 4, comme tu dis, la semaine passée. Limoilou qui a quand même un track record un peu mystifié, là. 4-10 dans l'ensemble, qui n'est pas un bon track record quand on regarde juste les chiffres. Mais dans la division, c'est bon pour la troisième, voire la deuxième place, là, si on calcule que les deux premiers sont à égalité. Derrière nous, on a Montpetit 4, qui est à 4-9, mais un moins bon différentiel. Donc, au niveau des points, ça se joue là-dessus. Montpetit 3, même chose, 4-9, niveau des points. Encore une fois, on a Jonquière qui traîne la patte énormément avec 0-10, moins 30 au niveau du goal differential. Une équipe qui... Pour le coup, n'a que subi des défaites 3-0. N'a jamais remporté même un match dans les séries. C'est pas en dire peu, là, du côté de Jonquière. C'est... Là, je sais pas, c'est une histoire de cross-platform qu'on a dans le lobby. Faut vérifier peut-être. Peut-être vérifier. Les settings de tout le monde. Kara, qui est sur le stream, m'entend sûrement. Est-ce que... parce que nous, on a chacun Lynx Observateur ainsi que nous deux casters qui est présent. Est-ce qu'il y a assez de place pour tout le monde dans le lobby? On est présentement 9 et il y en a qui ne peuvent pas rejoindre. Non, c'est une histoire de cross-platform, je crois, qu'on est après expliqué. En fait, c'est qu'il y a un joueur qui est sur console. Il y a un joueur dans le lobby en ce moment qui n'a pas son cross-platform d'activer, ce qui empêche le joueur console de rejoindre. Le jeu qui est vraiment, vraiment en poche là-dessus. Je sais. C'est à quel endroit le cross-platform? Parce que je cherche le... Je suis en train de le chercher avec toi, écoute. peut-être qu'on l'a pas parce qu'on est déjà dans la partie, en fait, si je me rappelle bien. On n'a pas l'option qu'on est déjà dans la partie. Faudrait regarder parce que on diffuse ce soir. Oui, il y a un match, je crois. Qu'on va refaire le lobby. Aucun problème. Ouais, on va refaire le lobby, ça va être plus simple. Pendant ce temps, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que t'en penserais... On va avoir prochainement les Lynx contre les Lynx. Est-ce que t'as hâte à faire ce cast de cette partie-là? Est-ce que t'as hâte de voir les Lynx s'affronter Lynx contre Lynx? Ouais, Lynx 1 contre Lynx 2. On va avoir la chance de caster ça en deuxième partie de soirée la semaine prochaine. Yes. À 20h15. Peut-être un peu plus tôt si on a de la chance. Si on a de la chance. Une grosse, grosse confrontation. C'est deux équipes qui, malgré le 1-2 là, qui laisse à penser que l'équipe 1... Et une coche, c'est le cas là, on a des joueurs un peu plus forts du côté de l'équipe Lynx 1, mais c'est vraiment pas à grand chose de venir jouer contre eux, parce que la confiance peut vraiment mener au désastre dans Rocket League. On l'a vu, on peut le voir facilement là, en six semaines, dans presque tous les matchs qu'on peut caster. Si on est trop confiant, ça vient nous manger. Et Lynx 2 qui sont vraiment pas à regarder... à regarder de haut là avec Potato Sensei qui s'en sort très bien avec le coaching. Donc ouais, une très belle confrontation qu'on va avoir la chance de faire. Maintenant, on entend le tout bruit des moteurs qui se fait entendre et les joueurs oui. Des deux côtés ont rejoint. Est-ce qu'on s'en va sur le jeu, mon cher Aratrox? On n'a pas le oui, choix. Oui, c'est fait. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est commencé.
C'était en effet un joueur des Lauréats qui avait de la misère à rejoindre. On va directement partir en attaque de leur côté. Ruka qui va faire la passe au centre. White va dégager par la suite au centre. On va être aidé de Shoyo. Grubby qui va tenter de poursuivre, mais va laisser la touche à Ruka. On se faisait battre de vitesse dans ce cas-ci. Ruka va se faire aider par Dubs qui va recentrer. Va être Shoyo sur le backboard qui va renvoyer dans le coin. Salty très rapidement essaie de garder la pression, mais c'est Shoyo qui l'emporte. Salty va tenter la passe, ça va être pour Ruka. White plus rapide sur la balle par contre. Beau tir de Dubs par la suite en belle défense de Grubby qui va permettre le tout. Ruka 2-50-50 back-to-back. On réussit à même aller chercher un bomb sur Shoyo, mais personne pour compléter le tout. Du côté des Oranges, les Lauréats qui sont très menaçants en ce début de match Pro Day. Oui, on voit surtout ce que je vois, c'est vraiment une bousculade. On est tous, comme on dit, poignés dans le coin. Et là, c'est à ce moment qu'on a réussi à faire un dégagement et qu'on continue, comme on a pu le voir lors de la première rencontre ce soir avec les conquérants. Ça joue au ping-pong. Oui, énormément. Déjà une minute de passé, toujours aucun but dans ce match numéro 1. On a Grubby qui va réussir un dégagement, aider Choyo par la suite. On va tenter de recentrer, mais ça va être dégagé par la défense des Lauréats qui vont renvoyer les Lynx jusqu'à leur backboard. Ruka, on voit sur le backboard pour lui-même. Les deux joueurs, Dubs et lui-même, qui vont manquer. Salty, par contre, qui va prendre le tir. On va tenter de diriger, mais ça ne sera pas nécessaire. Et Salty qui fait 1-0. Il a vu la balle au loin. L'aérienne, le tir, et c'est le but! Même Dubs aurait pu quasiment y voler. Pas grave, c'est un but confirmé de Saint-Hyacinthe en début de partie, 3 minutes 37 à faire. Ouais, les Lynx qui prennent le premier but contre eux, mais je pense qu'on est reparti. White, leur réinitialisation, on a tenté de tir. Dubs qui se présente en défense, bel arrêt de sa part. Ruka par la suite qui va tenter d'amener la pression de l'autre côté. On va réussir une démolition du côté des Lynx, se donner un peu d'espace. Seulement deux joueurs des Lauréats pour garder la pression. Grubby qui fait le dégagement, White qui nous attendait dans le coin. On va réussir à lire le jeu des Lauréats, mais Dubs qui va tout de même réussir à passer par-dessus. Shoyo le tire par contre, Ruka, bel arrêt, on était bien placé. Ça va être Grubby qui va continuer par la suite sur le côté. Ruka dans les airs, on va laisser pour Salty. Ça va être Shoyo très rapidement vers le backboard offensif. Dubs renvoie dans le coin. Très peu dangereux pour le moment. Là, les Lynx qui tentent des jeux de passe, mais rien qui n'aboutit. Et au moment où je dis ça, Shoyo, le tir descendant! Quel beau tir de sa part, c'est 1-1. Ah oui, quel beau tir! La passe de Amt Grubby. Ben, Grubby, tout simplement, a fait la différence. Et Shoyo, l'autre différence. Oui, travail d'équipe très bien effectué de la part des Lynx qui égalisent à 2 minutes 52. Et on va y aller d'un tir relativement neutre des deux côtés. Salty, par contre, qui va y aller d'un tir qui était dangereux pour les Lynx. White qui va s'illustrer en défense. Shoyo, on va se faire bump. On va permettre à Dubs de prendre le contrôle de la balle et de la monter sur le mur. Dubs dans les airs, passe au centre, peut-être pour un coéquipier, mais personne ne vient. Ça va être White qui va renvoyer sur le mur à droite, mur à gauche offensif. Ruka par la suite qui va dégager. Grubby qui va renvoyer dans le coin. Ruka qui attendait sa touche. On va envoyer sur le backboard. On aurait peut-être voulu un tir cadré dans ce cas-ci. Ça ne fonctionnera pas. Salty qui garde la pression. White qui réussit à le battre de vitesse. Et Shoyo qui va compléter le dégagement. Ça devient presque un tir cadré. Ruka à son poste qui renvoie dans le coin. Toujours Ruka avec la balle. On passe par-dessus Grubby. On garde le contrôle de la balle, mais pas très longtemps. C'est White qui va venir bloquer très rapidement. Par contre, Salty va venir tenter de s'établir. Dubs aussi. Ils vont y aller de jeu consécutif pour garder la balle en zone des bleus. Par la suite, Dubs passe au centre pour Ruka. C'était un peu voltigieux, mais Dubs qui complète pour lui-même. C'est 2-1. On a clairement vu une balle ratée sur le backboard du côté des Lynx. Et on ne peut pas s'imaginer de rater le but. Il a fait le tir. Il a cadré son tir. Et il a fait le but. C'est 2-1 pour Saint-Hyacinthe. Ouais, directement Shoyo sur la mise en jeu qui va tenter un jeu agressif. Va finalement laisser la balle pour White. Ça va être tenté de tirer White! Oh! Il fait le tir cadré. C'était sur le poteau, mais ça rentre. Et très aussi rapidement que ça, c'est 2-2. Égalité, c'est fait. Quel jeu, c'est quand même assez rapide. Deux buts quand même avec un intervalle très très petit. Et on continue, on aime ça, c'est du beau jeu. Ça repart avec la mise au jeu, en plus ça rime. Ouais, et les Lynx qui trouvent des réponses là, dans la dernière série, j'ai cru remarquer que ce qui manquait beaucoup aux Lynx, c'était de répondre une fois qu'on tirait de l'arrière. Là, les Lynx qui trouvent des réponses, qui sont capables d'aller chercher des buts pour revenir dans le match à chaque fois. On va continuer. Salty qui va laisser pour Ruka. On va garder la pression chez les Lynx. Tir par la suite. Oh, bien tenté de la part de Dubs. Malheureusement pour lui, ça ne fonctionnera pas.
manquer le clear sur le backboard. Ça devient une touche facile pour Ruka. Et c'est vite fait, c'est 3-2. Un tir avec quand même une certaine puissance qui amène un bel angle de Ruka. 106 km/h, la défense était là, mais elle ne pouvait l'arrêter. Finalement, on confirme l'avance à nouveau de Saint-Hyacinthe. Oui, Grubby qui va remporter la mise au jeu. Ça va être Ruka qui va manquer sa touche dans le coin, ça devient dangereux, mais Grubby qui va manquer le tir par la suite, Choyo! Incroyable! Qui réussit le dunk aussi vite que ça encore une fois, c'est 3-3. Incroyable! Incroyable! 3-3, on égalise! Quel jeu de nos deux équipes en ce moment! Et on est reparti directement pour la mise au jeu. Encore une fois, Choyo qui va l'emporter. Ça va être Dubs qui va prendre le temps avec la balle. Peut-être passer pour son coéquipier. Non, mauvaise touche. Ça devient dangereux. Choyo qui tente le tir. Malheureusement, ça sera hors cadre. Mauvaise touche par la suite. Grubby qui tente de compléter. Et finalement, ça va être White. Après une dizaine de BV en défense du côté des lauréats, c'est 4-3. Il s'en est passé des choses en défense. Un triple commit de la part des Saint-Hyacinthe qui donne l'occasion en or pour les Lynx de prendre les devants avec une soixantaine de secondes à faire. Ouais, Ruka qui va prendre la balle sur le mur. On va tenter de suivre par la suite, mais c'est White qui va nous battre de vitesse. Grubby dans les airs. On va réussir le dégagement qui envoie dans le coin. On va recentrer pour un coéquipier, mais Salty qui va bloquer rapidement. White passe au centre pour Choyo. On s'élève dans les airs. On envoie dans le coin. Peut-être une deuxième touche. Non, on va laisser tomber par la suite. Ça va être Dubs qui va tenter le dégagement. Grubby qui bloque un peu faible. Ça va être Ruka, mais on va venir démolir par derrière, l'empêcher de mettre un jeu de l'avant. Toujours 4-3, les Lynx, seulement une trentaine de secondes à jouer. On va peut-être sortir la balle de notre zone, mais on est en confiance de ce côté-là. Effectivement, il reste pas beaucoup de temps. Quel arrêt ici! On a failli avoir une égalité 4-4 aussitôt dit. Oui, on a réussi à avoid le bump du côté de Choyo et à bloquer le dunk. Un très beau jeu de sa part qui garde les Lynx dans le match. Mais par la suite, Santi, qui avait le seul défenseur restant à sa merci, il fait 4-4 avec 10 secondes à jouer. On fait un solo play du côté de Santi, une passe à lui-même, et voilà, égalité. Allons-nous avoir une prolongation? Peu importe ce qui va se passer, on a un match, mesdames, messieurs. Nous avons un match. Oui, ça va être dans le coin pour Grubby. On va prendre le temps, ça va être une touche un peu dangereuse. Dubs qui va prendre la possession, passe au centre pour Ruka. Deuxième touche, oh, le tir de Dubs qui va manquer. Ça touche le sol et c'est l'overtime. Allez, 4-4, qui l'emportera? On a besoin, pour le moral, je pense que les Lynx ont besoin d'une petite victoire ici pour le moral. Est-ce que ça sera réalisé? Oh là là. Et la démolition dans le mur, quel arrêt de Choyo! Il descend des cieux pour venir sauver le tout, je croyais que c'était complété. Mais ça va être sauvé par Choyo. Il garde les siens dans le match pour cette première partie. C'était toujours tout 4-4, seulement 20 secondes de jouer, les Lynx. Qui s'illustre, mais par la côte, par contre, Salty qui va dire non. Et qui va faire 5-4 après seulement 25 secondes de jouer. Écoute, Chararatrox, la défensive était là, mais on ne peut pas tout faire non plus. L'attaque était quand même assez présente du côté de Saint-Hyacinthe. Victoire de Saint-Hyacinthe contre les Lynx lors de cette première partie. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'était tout un match! Un match très serré où les équipes se sont échangées le lead, où ils se sont échangés vraiment l'entièreté des possessions de balles, des avances, des tirs au but. Mais au final, les lauréats qui l'emportent après un peu plus d'une vingtaine de secondes en overtime. Une belle performance de leur part quand même, il faut le souligner. Salty 3 buts, Dubs 1 but et Ruka 1 but aussi. Tous une passe, 3 arrêts de Dubs pour un total de 15 tirs chez les lauréats contre seulement entre parenthèses le 8 du côté des Lynx. Donc une performance d'équipe des lauréats qui va leur amener la victoire en overtime. Et là, les Lynx sont vraiment pas passés loin de... On peut pas dire que c'est une mauvaise partie pour les Lynx. Je crois que des fois, je dis que les Lynx devraient faire des petits changements, des trucs comme ça. Mais là, je pense qu'ils vont devoir juste continuer à garder la pression et juste faire attention à ne pas faire les erreurs qui vont être coûteuses lors de cette prochaine partie. Oui, en effet, c'est une belle manière de le mettre. Pour éviter les erreurs coûteuses, on a vu les beaux arrêts. Je crois que c'est Choyo là, qui descendait du plafond. Insane save en overtime, mais par la suite, on n'a pas réussi à faire le clear du côté de son équipe et ça ne fonctionne pas malheureusement pour les Lynx.
On reste enfermé dans notre zone. On n'est plus capable de s'en sortir par la suite et ça devient très dangereux pour nous. Kyle avait Elkon qui a vu le tir de Shoyo et immédiatement, il s'en est pris à la balle pour la dégager. Tout un arrêt. Par contre, on garde encore la pression et justement, au moment que je le dis, ça reva de l'autre côté. On va y aller avec Dobbs sur le côté, sur le mur. Temple un aérien. White intervient. Elkon va tenter peut-être faire une passe au centre. C'est pas encore fait. Salty qui prend la balle. White qui dégage bien la balle. MKL, c'est bien dégagé, mais ça revient du côté de la défense des Lynx. C'est tout droit au centre. Une belle passe pour Dobbs, mais ne peut compléter. Mais Salty fait un autre tir. Un autre tir d'Elkon. Bloqué pas par un joueur, mais par la barre du haut. Mon cher Trox, la barre fait également coéquipier de la part des Lynx. On va faire comme au hockey, on va remercier ses poteaux quand on est en défense. C'est pas le but, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ça c'est un but, mesdames et messieurs. Elkun qui va du flip reset. Écoute, on peut pas faire grand-chose dans la défense. Elkun qui va du flip reset, réussit la touche par la suite. Une cage béante, veut pas. On a déjoué le dernier défenseur avec le tout. C'est incroyable. C'est un beau jeu de sa part. Oui, on a quand même des beaux jeux de la part de nos joueurs en ce moment, de chacune des équipes. Est-ce que les Lynx vont garder la pression? On va essayer de garder la pression. White va devoir faire peut-être... Oh, il essaye déjà avec un tir. On va peut-être devoir faire créer un peu certains jeux du côté des Lynx pour pouvoir compter. Justement, une belle passe de White MKL! Et on le fait que toucher du côté de Saint-Hyacinthe, mais on a pu arrêter cette balle. Ouais, une mauvaise touche de Elkun qui devient une passe pour White vers Mikael. MKL de son pseudo. Elkun qui ne revient pas à temps pour faire l'arrêt. Un très beau tir, très puissant de la part de MKL qui va reniveler la marque avec seulement 1 minute 30 de jouer. Oui, 1 minute 30 de jouer. Égalité. On y va comme la partie précédente. Une partie haute en couleur avec des beaux jeux et quand même assez serré. Du coup, on va continuer à vous caster, à vous commenter cette action avec Shoyo qui va peut-être faire une passe à lui-même, faire le mur, mais non, Elkun! Écoute, je pense qu'on a eu un cerveau qui a ralenti du côté des Lynx pour que Elkun finalement aille faire l'attaque immédiatement. Ouais, vraiment, White est un peu mal placé en défense. MKL et Shoyo qui vont se commettre sur le tir initial. Malheureusement, on ne s'y rend pas. Ça donne tout le côté droit du but complètement ouvert. Elkun qui va remercier le tout et qui va prendre la cage béante et Santé qui va faire de même tout de suite après. On a vraiment ralenti, je trouve, du côté des Lynx. Peut-être les positionnements, leur jeu. Bref, Shoyo qui ne peut arrêter cette balle. Et du coup, on va continuer avec une avance de 2 du côté de Saint-Hyacinthe avec cette mise au jeu qui va finalement se retrouver en territoire des Lynx. On rappelle que c'est l'équipe numéro 3 des Lynx qui affronte Saint-Hyacinthe. 4 équipes des Lynx pour le CFGF et donc mon petit. Et ça continue avec, en ligne centrale, Salty qui renvoie ça. Du côté des Lynx, on essaie du côté de Shoyo de peut-être compléter par lui-même. Les 3 beaux défenseurs de Saint-Hyacinthe interviennent au bon moment. Salty fend l'air, ce sera... repris par Shoyo. Elkun qui va reprendre peut-être un pinch au sol. Non, ce sera White. Tente une passe au centre avec le plafond, la passe, le tir et c'est le but! Shoyo! Ouais, très beau jeu de passe. White qui bat de vitesse tout simplement Salty qui venait le défendre par la suite. Dobbs qui veut se commettre sur le tir mais ne s'envole pas. Malheureusement pour lui, Shoyo va prendre les devants en prenant les airs. Va battre de vitesse le défenseur et c'est 3-2 avec encore un peu plus de 2 minutes à jouer. Donc les Lynx qui sont définitivement encore de la partie. Un beau jeu de passe encore une fois de leur part. Oh oui, ça tu l'as dit mon cher Atrox. Et on va avoir un tir. Oh oui, quel jeu de Salty avec un retour. Il s'est fait la passe à lui-même et ça a fonctionné. Oui, un beau tir sur le backboard initial. On lit sa propre touche. Touche au sol par la suite. Du côté de Shoyo, on est beaucoup trop profond dans le but. En fait, on s'est rentré nous-mêmes, passé la ligne des buts, ce qui donne un tir complètement gratuit
Alum en attaque du côté de Salty, qui fait son deuxième but du match avec les 2-2. Elkoun, ça fait 4. On double l'avance des lauréats. Ce sera Shoyo qui va finalement être trop lent pour continuer. Dobbs qui intervient. White qui renvoie vers le milieu de terrain. Elkoun réussit à faire un dégagement complet en territoire des Lynx. White contrôle bien. Il tentera de faire le 50 contre White qui sera finalement renvoyé à la ligne centrale. Aérienne quand même qui ne peut compléter du côté de Shoyo. Est-ce qu'on aurait eu une chance de faire une passe au centre du côté de NKL? Ce sera malheureusement pour eux intercepté par Saint-Hyacinthe. Belle pression quand même. J'aime la pression qu'on garde du côté des Lynx en ce moment. C'est beau à voir. Il faudrait quand même qu'on accélère le nombre de buts. Oh, ça, c'est un filet complètement ouvert. Une cage béante! Le Elkoun qui va du own goal! Own goal, mesdames, messieurs! Own goal! On l'aura pas dit deux fois, on l'aura dit trois fois, mais là, c'est assez. Mais là, c'était vraiment même pas cadré. On allait toucher le poteau, puis ça allait sortir. Elkoun qui va tout simplement compléter le tir. Écoute, on va dire merci du côté des Lynx parce qu'on revient à un but d'écart avec 1:09 à jouer. C'est encore beaucoup de temps pour niveler la marque et forcer un overtime. Écoute, c'est une bévue du côté des lauréats. On va se reprendre très rapidement par contre. 9 secondes plus tard. Et c'est 5-4. 5-3, pardon. Et Elkoun, tantôt, n'a pas pu... a pu faire un on goal, mais en même temps... La pression des Lynx, c'était quand même exceptionnel. C'est pas entièrement de sa faute. Il a essayé quelque chose et c'est mieux que de rien faire. Et là, justement, il a fait quelque chose. C'est de rattraper son erreur en faisant une belle passe, un beau tir du côté de son coéquipier. Et on reprend une avance de 2 buts pour Saint-Hyacinthe. On renvoie ça au centre du côté de Dobbs. Ligne centrale. Salty, un 50 qui va garder la balle. Envoyé finalement MKL. Dobbs renvoie ça au sol. On tente de renvoyer ça l'autre côté. Ça joue un peu au ping-pong. Et ça reste finalement en zone de Saint-Hyacinthe. Avec une pression, une belle pression des Lynx. Et on était un peu trop loin du côté d'MKL. On va s'en vouloir de ce côté-là. Un beau jeu qui était bien dessiné. Au final, qui ne fonctionnera pas malheureusement. Et c'est nul! Une cage béante, une balle qui... Et il faisait quasiment du surplace devant le but, là. On pouvait rater ça. La défense... On a un trouble de défense du côté des Lynx. Qu'est-ce qui se passe à Ratrox? Ouais, vraiment, là, les deux joueurs en White et MKL qui vont se commettre sur la même balle dans les airs. Celle qui était initialement à Elkoun. Elkoun qui va tout simplement laisser la balle tomber. En fait, on va faire une toute petite touche, décoller la balle du mur, faire une passe à son coéquipier qui attend notre passe en marge du but. On va compléter le tout pour faire 3 buts d'avance pour les lauréats. Oh, j'aurais pu dire mettez ça à 2, mais non, les lauréats qui l'emportent par 3 avec une belle marque de 6-3. Les Lynx qui vont rester accrochés dans l'ensemble du match, mais qui vont quand même manquer de peps offensif, là, j'ai l'impression. On manque un petit peu de l'étincelle qui vient nous compléter et mettre le tout ensemble. On voit les stats au tableau. Écoutez, 661 points du côté d'Elkoun, Salty 547 points. On voit que c'est très dominé de la part de ces deux joueurs-là, avec 2 buts, 3 passes décisives, 2 arrêts, 4 tirs. Toutes les stats sont là du côté d'Elkoun. Est-ce que Elkoun aura fait la différence? Oui, il a fait un on goal, mais est-ce que ça aura fait la différence du côté positif? Il est clairement en net positif dans l'ensemble, selon moi. Elkoun, très belle performance de sa part. Une grosse équipe quand même là. On en parlait en début de stream, les lauréats qui vont pas se laisser rouler dessus. Là avant, je sais pas s'il y a des substitutions. Je sais que les Lynx ont substitué White pour Grubby qui revient dans la formation après avoir laissé sa place à MKL durant le match numéro 2. Je sais pas si on va laisser peut-être un combo Ruka Elkoun dans la même dans la même équipe, si c'est le cas. Ce serait beau à voir. J'ai hâte de écoute, voir. On y va du combo. Oh, Ruka, oui! Elkoun, Salty chez les lauréats. Et on attend le match. Tout bout des votants pour débuter numéro le match. Numéro 3. Balle de match pour les lauréats. Les Lynx, le dos contre le mur. On doit l'emporter. Ça va être kick-off assez neutre. Ruka qui va pousser vers les devants. Belle passe au centre. Malheureusement, pour lui, son coéquipier va manquer. Elkoun qui venait...
très rapidement pour compléter le tout. Shoyo qui va réussir un bomb, va tenter un deuxième sur Ruka. Ça ne fonctionnera pas. Elkun et Ruka, les deux en défense, va réussir la première démolition sur Ruka. Elkun qui vient prendre la relève très rapidement par contre. Réussit le pinch par-dessus un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Une cache béante pour Ruka. On va manquer le tir tout de même. Par contre, on va se reprendre. Les Lynx, complètement en manque de boost, vont manquer le tout. Et c'est 1-0 pour les Lauréats. Et c'est le but! Ruka, avec une passe de Elkun, marque premier but de cette rencontre. On s'approche! C'est pas fait! On s'approche d'un deuxième renversé ce soir du côté de Saint-Hyacinthe. Les Lynx, mais réveillez-vous! On compte sur vous! Ruka directement en zone offensive va tenter de s'établir. Ça va être envoyé en pincé du côté de Grubby vers Shoyo. Réussit le dégagement. Passer par-dessus Elkun, mais on garde le contrôle de son côté. Grubby qui gagne son 50-50. Salty qui ramène très rapidement au centre. Par la suite, ça va être Elkun qui va prendre la possession de la balle, renvoyer par-dessus la ligne médiane. Ça devient dangereux pour les Lynx. Il va falloir dégager le terrain si on veut pas rester dans notre zone un peu trop longtemps. Dangereuse touche qui devient un tir. Grubby qui manque l'arrêt. Et c'est 2-0. Ruka avec une touche de 53 km/h vers le sol. Et finalement qui... a visé derrière Grubby. Parfait. Parfait angle pour finalement le contrer. Il ne peut faire l'arrêt. Grubby se fait compter pour son équipe une deuxième fois dans cette partie. Ouais, on en parlait là. Elkun avec Ruka, c'est un duo qui est monstrueux. Je pense que le Saint-Hyacinthe voulait... En fait, les Lauréats qui voulaient probablement mettre fin à cette série, pas laisser ça traîner. Ou peut-être juste y aller d'une pure rotation. Là, on les avait pas encore vus ensemble. Mais ça reste tout un défi pour les Lynx dans ce match numéro 3. Ruka le tire, bloqué par Shoyo. Très rapidement renvoyé sur le côté. Ruka, la redirection, on tente le top corner. Ça va être manqué de justesse. Elkun qui va prendre son temps en zone défensive. On monte sur le backboard, va toucher le ceiling. Ça va redescendre, mais ça va tomber directement sur Ruka qui repasse de l'avant pour Elkun. On va manquer la touche. Deux joueurs des Lynx et on se rentre dedans. Oh, le fake par la suite! Ruka qui complète, c'est 3-0. Le filet complètement désert pour tripler l'avance de la part de Saint-Hyacinthe. Waouh! Quand même, elle était où la défense? Un peu partout, en fait, mais c'est surtout que on a joué avec les chevilles de la défense là-dessus et on les a complètement brisées, j'ai l'impression. Oui, je te confirme que t'as raison. Salty qui s'envole, on va se faire battre de vitesse par Shoyo qui va renvoyer en zone offensive. Elkun dans le coin va se faire battre par Shoyo. La passe au centre, oh, c'est prêt. C'est passé tout prêt. Par contre, on ne réussit pas. Grubby qui va tenter la passe au centre, ça va être bloqué et ça devient dangereux. Elkun qui avait une option sur le tir, ça ne passera pas. Par contre, un deuxième tir de Salty qui ne passe pas non plus. Ruka à son tour qui manque la cible. Les Lauréats qui commencent à avoir beaucoup d'opportunités mais à ne pas conclure. Grubby qui va tenter de passer par-dessus Salty, ça ne fonctionne pas. Shoyo va manquer sa touche dans les airs. MKL qui va arrêter par la suite. Ruka passe au centre. Shoyo qui fake le toucher. Ça va devenir une passe pour Salty. Là là. Un beau petit dribble, mais ça ne passera pas. Grubby sur le côté pour MKL. On va réussir le bloc, mais ça devient quand même une passe pour Elkun. Beau jeu de Shoyo qui va dégager sur le coin. MKL dans les airs. Ouais, vraiment, les Lauréats qui en mettent énormément sur les Lynx, même avec une avance de 3 buts. Beau tir de Grubby. On passe par-dessus un premier. Elkun, solide sur ses appuis, qui fait l'arrêt par la suite. 2 minutes à jouer. Toujours 3-0 pour les Lauréats. Ruka qui a une cage presque béante devant lui. On a seulement un joueur. Passe vers son coéquipier Elkun. On tentait le beau jeu. Ça ne fonctionnera pas. Salty, touche dangereuse. On est passé à deux doigts du home goal. Ça aurait été un deuxième pour son équipe dans la soirée. Ce qui ne les empêche pas de mener la série 2-0. MKL qui tente de... Le petit dunk, ça ne fonctionne pas. On va garder l'offensive en vie. Ça va réussir Elkun. Quel arrêt! On s'illustre en arrivant d'un angle impossible pour faire l'arrêt. Et là, Ruka... Au centre, on va laisser Ruka toucher la balle. On va finalement dégager nous-mêmes et renvoyer sur le côté. Réussit encore une touche. Ça devient finalement une passe pour Elkun. C'est dangereux. Oh oui, deux, peut-être la double touche. Zéro. Non, même pas besoin. C'est 4-0. Regardez le replay. Il n'y avait plus personne. Grubby fort en l'air. En fait, c'est Elkun qui ira chercher la balle en premier. Et un but, on va le dire, un but facile de la part de Saint-Hyacinthe.
il fallait peut-être attendre du côté de Grubby avant d'y aller directement sur la base, peut-être être un peu plus patient. Qu'en penses-tu? Je pense que du côté des Lynx, avec le peu de temps qui nous reste à jouer et les trois buts qui tiraient de l'arrière à ce moment-là, on n'a pas le choix de pousser de l'avant. Et c'est le genre de jeu qui va nous coûter cher. Parce que, veux pas, du côté des Lauréats, on est solide en offense comme en défense. Et on n'en laisse pas passer une. Donc, quand on a trois joueurs de commis pour tenter de nous battre, on va tout de suite punir. Et ça va être fait une première fois. Shoyo, le home goal qui donne, qui renvoie le merci à Ruka qui va tout simplement en mettre un cinquième, un quatrième pour Ruka, dans le fond, un cinquième pour son équipe. Avec 51 secondes à jouer, ça commence à devenir très serré pour les Lynx. Tout est possible, les Lynx. Let's go, 51 secondes, tout est possible. Allez, un but chaque 10 secondes, lâchez pas. Non, mieux que ça, ils sont capables de faire mieux que ça, les Lynx. Let's go, on compte sur vous. Montrez-nous, impressionnez-nous. Ouais, ça va être MKL qui va dégager dans le coin. Pour Shoyo, ça redescend vers Mikael. Non, ça ne fonctionnera pas. Elkun, bien placé, qui arrête le tout. Passe vers le centre. Personne pour compléter chez les Lynx. Elkun qui prend la possession et tasse vers le centre. Ça va être Ruka par la suite. Shoyo qui va tenter la passe au centre. Très rapidement, la démolition. Malheureusement, ça va être manqué par la suite par Salty. Personne du côté des Lynx pour compléter. Il y en avait une cage béante encore une fois. Mais les Lynx qui sont un peu trop hésitants au mauvais moment, j'ai l'impression, là, avec 15 secondes à jouer. Le match qui va pas mal être fait. On a 5 buts de coussin du côté des Lauréats. On pourrait presque arrêter de jouer. On aurait gagné. C'est conclu. Avec moins de 5 secondes à jouer, on peut pas compter plus d'un but par seconde. Ah ben là, on va même en rajouter un sixième pour le style. C'est 6 à 0. Série 7 match. C'était pas dans cet ordre-là, mais les Lauréats qui l'emportent. 3-0 dans la série, 6-0 dans le match. Dominance complète. Totale, complète. On peut trouver tous les mots. T'étais peut-être pas là en début de stream, mais on avait eu également un blanchissage, cette fois-ci de la part des conquérants de Limoilou. Déjà avec une deuxième semaine consécutive, un blanchissage de la part des Limoilou. Et là, on en rajoute la série sur le Sunday pour les contre les Lynx. Et les Lynx perdent avec un blanchissage pour cette deuxième série de cette soirée. Quoi de mieux de se reprendre mercredi prochain, n'est-ce pas, Aratrox? Oui, on n'aura pas le choix de voir une équipe des Lynx l'emporter mercredi prochain parce qu'on aura Lynx 1 contre Lynx 2 à notre antenne. Tu le mentionnais un peu plus tôt. Là, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui va l'emporter. On s'attend à une belle série devant nous. En première partie de stream, je me souviens plus de qui on va avoir la chance de caster. Je crois que c'est... C'est disponible sur le serveur des Lynx Édouard, mon petit, si ça vous intéresse. Je vais vérifier que tout de même, juste faire la petite annonce. Moi, je pense que j'ai eu l'annonce vendredi. Est-ce que c'est pas le vendredi qu'on reçoit nos annonces, par hasard? C'est le Lynx 2 contre Chicoutimi. Tant mieux, ben oui, let's go! On a... Donc, on va avoir les Lynx 2 deux fois back-to-back dans la soirée. Potato Sensei, qui est le coach, a voulu les mettre on the spot pour la soirée. Ce sera le cas. Et j'ai bien hâte de voir de quoi va avoir l'air la soirée la semaine prochaine. Une chose que je peux vous confirmer, je vais gager que les Lynx vont perdre la semaine prochaine. La game contre les Lynx. Mais ils vont aussi gagner. Ouais, je pense que c'est une belle manière de le dire. Ah, vous avez eu peur, hein? Vous pensez que je prenais pas pour les Lynx? Mais c'est quelle équipe va l'emporter? Oui, il y a un numéro. Il y a l'équipe 1, 2, 3 et 4. On rappelle les numéros d'équipe qui vont s'affronter la semaine prochaine. Lynx contre Lynx. 1 et 2. 1 contre 2. Et c'est les deux meilleures formations des Lynx, 1 et 2. Donc, les deux meilleures équipes des Lynx, niveau local, vont s'affronter. Tout un match on va oublier ce mot-là. En perspective. Non, je l'ai dit. Exactement. Un petit rappel pour ce qui est... parce que nous, on se revoit mercredi prochain. Entre ça, il y aura la diffusion de League of Legends ce lundi 19h par Alberich, qui nous a... Qui m'a remplacé en première partie de stream ce soir. Très belle performance niveau casting. Il ne connaît pas Rocket League. Il n'avait même pas la chance d'avoir mon jeu en partage d'écran, étant donné que ça laguait un peu. C'est toujours pas évident. Il a réussi avec en regardant la diffusion à réussir à avoir la fluidité. Écoute, il y a eu même des problèmes techniques sur la chaîne des Lynx lors de ses dernières diffusions. Dont il s'est fait kick-out par le jeu lorsque on cassait du LOL.
Oui, et le League, jeu... League, qui est un jeu horrible à caster, selon ce que j'ai pu comprendre. Beaucoup d'action. Beaucoup. Non, non, mais surtout dans le cas du client LOL qui est horrible, qui crache à tout bout de champ. Oh là là. J'ai cru entendre dans la rumeur que même officiellement dans les tournois de League, c'était pas ce client-là qu'on utilisait. Donc, les développeurs qui savent que c'est pas bon, mais on va le laisser là. Non, et tant qu'on n'a pas une mise à jour de Rocket League à 19h et qu'on commence à 19h, écoute, lundi, ça s'est terminé... Wow, quel travail d'Alberich. Il a continué son travail de caster avec seulement la voix, sans qu'on puisse voir dans le jeu. Et on voyait l'image du jeu dans sa voix. Il est nouveau, c'est une recrue et ce ne sera pas une recrue longtemps. Ce sera, on voit l'expérience, on voit la motivation de cet homme. Et c'est justement ce qu'on vous propose lundi prochain avec League of Legends. Lui, il vous fera la diffusion de mardi prochain Overwatch, qui est un autre très bon jeu, avec une bonne équipe des Lynx qui vous donnera toute une performance, en tout cas, je l'espère. On a des bonnes équipes ici au Cégep Édouard Montpetit de Longueuil, du côté eSports. On a des bons coachs aussi. On rappelle les coachs qu'on a Potato Sensei. On a, pour Rocket League en tout cas, on a également Kara. On a Tortue. Est-ce que t'as d'autres... Legendary Thick, yes. Si je me trompe pas. Que ça, c'est pour Rocket League. Et du coup, eux, ils vont travailler... Tu m'as pris un de spot, là. Je doute quasiment de mon call, mais non, il me semble que c'est bel et bien ça. Ça a de l'allure. Ben, dites-le dans le chat s'il y a une erreur. On accepte les erreurs. Non, c'est bel et bien ça. Carotte, tortue, potato et legendary thing. On accepte les erreurs. On est tous humains. Puis de toute façon, le but, c'est d'avoir du plaisir. Et on est une équipe qui a du plaisir. Puis, regarde, même s'il y a des problèmes techniques, même avec les autobus, on a réussi à faire un show. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que toi, ça t'a plu d'être avec moi à Ratrox pour cette soirée. Oui, c'était super le fun, comme d'habitude. Et nous, ben, on va se revoir... disons-le. Mercredi prochain. Puis d'ici là, prenez soin de vous. On va essayer de suivre ce qui se passe dans le monde. Il se passe beaucoup de choses dans le monde entier, du côté de d'autres pays. Et on vous laisse regarder ça par vous-même. Parce qu'il y en a peut-être qui ont besoin d'y aller avec la santé mentale, de pas trop regarder. Allez-y comme vous le sentez. Puis nous, on va vous donner un contenu unique du côté de Longueuil, Cégep Édouard Montpetit. Ce contenu, par contre, ne le manquez pas. Lundi, mardi, mercredi prochain, un rendez-vous sur la chaîne dès 19h. On se revoit la semaine prochaine. En mon nom, Francis Levin Croteau, alias Prodeo, et mon co-animateur, Aratrox, Olivier Roy. Sans oublier, évidemment, Alberich Vincent, qui a débuté cette soirée. On vous souhaite tout le monde, et au nom de toute l'équipe, à la semaine prochaine. Bye tout le monde, faites attention à vous.